persiste en tant qu'amé, une longue et longue marche en portant une croix à l'orientation. Planning to travel the country where people are looking for help. Arthur Blessing is on a mission from God. But for those who could not leave their homes for spleen or fear of looters, Arthur Blessing came to them to pray. For 30 years, he's walked the earth carrying his 12-foot cross and an unquenchable desire to spread the word of Jesus Christ. Dieu vous bénisse. Parfois, les gens me voient porter la croix et ils crient de l'autre bout de la rue, « Hé, mais t'es dingue !» Je leur dis, « Vous inquiétez pas, en fait, je suis tordu, mais j'ai la tête sur les épaules. » Dieu vous bénisse, monsieur. La paix soit avec vous. Dieu vous bénisse. Les gens rient parfois, et je réalise bien ça. Je rirais aussi en voyant quelqu'un porter la croix. Dieu vous bénisse, frère. Dieu vous bénisse, l'ami. La paix soit avec vous. Les gens me diront, mais Jésus a déjà porté la croix. Et je comprends cela. Dieu vous bénisse, l'ami. C'est gratuit. Dieu vous bénisse. Bonjour, Dieu vous bénisse. La paix soit avec vous. Je peux prier pour vous pour un sujet particulier? Mais Dieu vous aime. Dieu vous bénisse. Je n'avais jamais pensé fabriquer une croix, jamais désiré fabriquer une croix, jamais voulu porter une croix. J'avais vécu ma vie en connaissant Jésus, en apportant sa parole et le message de la croix, mais pas une croix. Quand j'étais jeune, je n'ai jamais possédé de croix. Je n'en ai jamais porté une. Je n'ai jamais vraiment été attiré par le symbole de la croix. Je peux prier pour vous pour un sujet particulier? C'est merveilleux, c'est merveilleux. Ok, j'ai vraiment aimé traverser l'Australie. Oui, je parcours le monde depuis 1969. Vous êtes d'où? Le Ghana. J'ai porté la croix à travers le Ghana. Ouzbékistan. Je suis allé là-bas. Le monde entier. 40 ans. Le monde entier. J'ai traversé la France en 1972. J'ai commencé à Hollywood, Californie, en 1968. J'ai fabriqué la croix en 69. J'ai commencé à parcourir le monde à pied. Et je suis passé par votre pays. Je ne sais pas d'où vous êtes, mais j'ai traversé toutes les nations du monde. À Tunis. Voici le Danemark. Le champ de bataille du Cambodge. Bangkok en Thaïlande. La Chine. Le Bhoutan, Bali, Pacifique Sud, la Mongolie, Babylone, la Corée du Nord que Jésus a faite, l'île de Niue, les Émirats Arabes Unis, belle journée en Érythrée, la Somalie, Jérusalem, la Yougoslavie, le Japon, la Lituanie, Moscou, l'île Christmas, l'île Norfolk, l'île Lord Howe, Timor-Est, le Spitzberg. Si jamais il y a des ours polaires, l'île de Pâques. Là, nous sommes aux Galapagos, le mont Kilimanjaro, l'Antarctique, la Bolivie, Damas en Syrie, le Chili. Ok, j'imagine que vous avez compris. Et si vous n'avez pas encore tout compris, voilà le profil d'Arthur Blessit. À 68 ans, Arthur a passé ses 40 dernières années à porter une croix en bois de 3,60 m dans 315 nations, îles et territoires. 52 zones de guerre, à travers les déserts, les jungles, les montagnes. Il a été arrêté 24 fois et Arthur estime à plus de 60 000 les kilomètres qu'il a parcourus. 76 millions de pas. Pour ceux d'entre vous qui veulent jouer avec les chiffres, c'est l'équivalent d'une fois et demie le tour de la Terre à l'équateur. C'est presque trop facile de rayer de la liste le classé catégorie étrange et bizarre, ou peut-être même fou furieux sincère, donnant du christianisme une image profondément inhabituelle. Give me a J! Yeah! E! Yeah!
Si certains d'entre vous, les pingouins, pouvaient me comprendre, Jésus vous aime. Le Créateur du ciel et de la terre, celui qui vous a créé, vous a envoyé la croix. Alléluia. Et avec votre façon à vous, les pingouins, vous aussi, vous louez le Seigneur. Le Guinness des records a même donné à Arthur, dans ses fameuses annales, le record de la plus longue marche du monde, juste à côté de Asrita Furman, qui détient le record de la plus grande distance parcourue à pied avec une bouteille de lait sur la tête. Et Gary Hatter, pour la plus grande distance de tonte de gazon. Ceci dit, concernant Arthur, on a quand même le sentiment que porter une croix est un sujet qui a un peu plus de sens que tout autre acte quelconque d'Hollywood. En calculant le nombre de pas que j'ai fait et la charge que j'ai portée, ça fait plus de 7 milliards de kilos de poids à porter un pas après l'autre. Mais très souvent, ce que j'ai ressenti, c'est que le plus grand poids de la croix se trouve à l'intérieur de mon cœur. Alors que je vois l'injustice, que je vois la douleur, la souffrance, la faim, les guerres, alors que je croise des personnes qui veulent se suicider, des personnes qui sont prisonnières de l'alcool et de drogues, j'ai porté leur fardeau dans mon cœur. Et je prie pour eux. Et très souvent, ce n'est pas de la sueur qui coule sur mon visage, ce sont des larmes qui coulent alors que je vois le monde blessé, qui souffre, perdu, et combien Dieu les aime à travers la croix. Maintenant, pour communiquer avec une transparence totale, je dois dire que je connais Arthur depuis tout petit. Pourtant, même pour moi, il m'est toujours apparu comme une énigme. Il disparaissait pour ses voyages pendant des mois, même des années. Et tout à coup, il réapparaissait à la maison, comme un chien de meute fidèle qui fait le tour de la forêt. Ça faisait presque 20 ans que je ne l'avais pas vu ou même parlé à Arthur Blessit. Quand nous sommes tombés l'un sur l'autre l'été dernier, il rentrait tout juste de Zanzibar. J'étais confondu d'entendre qu'il venait de terminer enfin sa mission de porter la croix dans toutes les nations, groupements d'îles et territoires habités du monde entier. Et pour la première fois, j'étais impressionné à l'idée de la taille de l'œuvre d'Arthur toutes ces années. Très vite, je me suis vu à vouloir le suivre à travers le monde avec une caméra. Je voulais savoir comment ce gars fonctionne. Arthur, pourquoi as-tu besoin d'une grande croix géante ? Je me souviens avoir porté la croix à travers le désert de Jordanie avant la première guerre du Golfe, quand les réfugiés s'enfuyaient du Koweït par l'Irak. Nombreux étaient ceux qui avaient été volés, d'autres avaient été dépouillés, des femmes violées, des histoires terribles. Quel est notre message ? Nous n'avons pas de nourriture, nous n'avons pas, je veux dire, que pouvons-nous leur donner ? Et je me tenais là à leur dire, Dieu connaît ton nom. Dieu sait où tu te trouves. Ils avaient besoin de ce message autant que de nourriture à manger ou autant qu'une terre d'accueil. Ils faisaient leur rapprochement. Dieu s'intéresse à toi. Et Jésus a souffert. Et il a tout perdu. Tu as tout perdu. Mais à travers sa souffrance, sa mort à la croix, nous sommes comblés de sa miséricorde et de sa grâce. Et ils étaient assis là, à pleurer et à sourire. Bonjour, messieurs, comment allez-vous? Je vous donne une petite carte là qui nous rappelle combien on est cher au cœur de Dieu, combien il nous aime. Oui. Amen, moi aussi. Alors, qu'est-ce qui te motive chaque jour? Et quand ce jour va venir, pas parce qu'on vieillit tous, le jour de ton dernier battement de cœur, tu crois en Jésus? Ouais. Il t'aime. Tu es cher à son cœur.
Je peux vous donner ça? Dieu te bénisse, mon ami. Jésus connaît ton nom. Il t'aime, tu comptes pour lui. Il peut te donner une nouvelle vie. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix. Pour l'espoir. Pour notre paix qui surpasse toute compréhension. À la croix, Jésus savait qu'un jour, tu serais assis sur ce banc dans le parc. Et il m'a envoyé avec la croix pour te rappeler de le suivre et de ne pas laisser tomber. Abandonne la colère et laisse entrer la joie de Dieu. Jésus-Christ, entre dans mon cœur. Pardonne mes péchés. Prends le contrôle de ma vie. Père, je te remets son Fils. Nous le remettons aux soins de Jésus, sachant que tu es tout-puissant. Nous prions pour ton réconfort dans son cœur après la disparition de cet enfant chéri. Mais que l'amour de Dieu et la paix de Dieu remplissent sa vie. Dans son travail, ses défilés, ses voyages et sa sécurité. Et je prie que tu changes les choses dans sa vie dès cette semaine, au nom de Jésus. Voudrais-tu dire, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Je veux te connaître. Je veux être avec toi. Est-ce que tu veux prier avec moi, Richard, et dire, mon Dieu? Tu veux dire ça, Richard? Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre mon cœur. Viens, Jésus. J'ai la croix sur les bras, mais je la veux dans mon cœur. Fais de moi un homme nouveau, au nom de Jésus. Amen. Une des choses les plus importantes qu'il m'ait été donné de vivre dans ce voyage de 40 ans, c'est de réinterpréter la croix. Pendant des siècles, les musulmans étaient en conflit avec la croix, et pourtant, j'ai bien transporté la croix ouvertement dans chaque nation musulmane de la terre, avec un sourire, avec l'amour, avec le message qu'à la croix, ce qu'il y a de pire en l'homme rencontre ce qu'il y a de meilleur en Dieu et que Dieu nous a à cœur. Et ils ont vu cela d'une façon nouvelle, sinon je ne serais pas vivant aujourd'hui. Il m'est souvent arrivé de traverser un village, soit en Égypte, soit en Irak, en Iran ou ailleurs, et les enfants venaient en courant à la croix. Et ce sont juste de petits enfants, ils n'ont pas reçu d'enseignement chrétien, tout juste à peine un enseignement islamique. C'est un homme qui porte une grosse planche avec une roue dessus, et ils s'avancent et ils glissent leurs orteils dessous, faisant rouler la croix sur leurs pieds. Et ensuite, ils la chevauchent et je les promène dans le village. Et les gens de cette petite ville, eux, voient la dimension d'amitié de la croix. C'est maintenant leur croix. Peu importe l'opinion au sujet de cet homme qui parcourt le monde avec une croix géante sur l'épaule, les faits sont difficiles à ignorer. Ce que je veux dire, c'est que quand on l'entend commencer à raconter certaines histoires, on se dit, comment est-ce possible qu'il n'ait pas été éliminé par un sniper du djihad, ou des animaux sauvages, ou la malaria, ou un vieux gros camion vert tout sale. C'était comme si Dieu me disait, Blessy, tu as encore des kilomètres à parcourir, encore des nations à visiter. Je sais que, alors que je marche humblement devant lui et que je cherche à aligner ma vie avec sa volonté et son plan, je sais que je suis complètement recouvert de sa volonté souveraine. Y a-t-il quelque chose de réellement particulier au sujet de cet homme ? Se pourrait-il qu'il soit, malgré les apparences, presque comme un personnage de l'Ancien Testament, vivant en temps moderne? Ou du moins qu'il se rapproche de quelques super prophètes qu'on puisse voir dans notre génération?
Alors que nous considérons l'histoire de l'humanité, nous voyons les murs, la séparation et les barrières qui ont été érigées par les politiques, par les gouvernements, et oui, même par la religion. Mais à la croix, nous voyons que tous les peuples sont les mêmes, quelle que soit leur religion, leur couleur de peau. La première fois que j'étais arrêté, c'était pour avoir serré la main d'un noir à Jackson, dans le Mississippi. Cet Afro-Américain à qui je parlais, je le tenais par la main et j'étais là debout à prier avec lui. Quand des bras remplis de colère m'ont tiré en arrière et on m'a dit, en des termes que je ne répéterai pas, « Qu'est-ce que tu fais là, à serrer la main ou à tenir la main de ce noir ?» Si j'avais imaginé ça, que plus tard je serrerais des mains de toutes les couleurs, partout dans le monde. C'est incroyable. Tu as été arrêté pour avoir témoigné à un Afro-Américain ? Oui. En fait, la police, ils m'ont dit, « Mais qui es-tu ? Tu viens du Nord ? Tu milites pour l'intégration ?» Je leur ai dit, « Non, non, je vais à l'université du Mississippi. Je suis né à Greenville, dans le Mississippi. » Bien, tu savais pas que tu n'es pas censé serrer la main d'un noir ? Et j'ai dit, « Non, je pensais qu'on était en Amérique. Je suis libre. Je suis libre de serrer les mains de qui je veux. » Et ils m'ont fourgué dans la voiture de police et m'ont amené en prison. En fait, je n'étais pas en train d'essayer de faire quelques déclarations que ce soit. J'étais tout simplement en train d'aimer mon prochain sur le trottoir, en m'occupant de mes affaires, partager l'amour de Jésus. Et ils ont dit, t'as pas intérêt à revenir faire ça. J'ai dit, vous plaisantez, vous n'allez pas me dire que je n'ai pas le droit de serrer la main de quelqu'un et de prier pour lui. Et c'était la première fois que j'étais conscient de ce feu en moi, un cri pour la justice. Je ne savais pas qu'il était là. Mais j'ai dit, ce n'est pas juste. Ce n'est pas... Ça a été comme un réveil pour moi dans de nombreux domaines. La destinée d'Arthur est-elle encore plus radicale? Une destinée au-delà de toute religion de façade, dans laquelle chacun d'entre nous a été appelé à marcher. Quel que soit le cas, il est devenu très vite évident que personne ne pouvait raconter l'histoire d'Arthur, si ce n'est Arthur lui-même. Vous savez, je suis un simple pécheur, sauvé par la grâce de Dieu, et qui a fait un voyage voulu par Dieu. Et les gens l'ont accueilli. Je ne sais pas. Voilà ma compagne. Cette croix-là, je l'ai portée à travers le Kush hindou, en Irak, en Iran, en Arabie Saoudite, au Soudan, en Somalie. J'ai vu des milliers de gens venir à la croix et la toucher, et ensuite se frotter le corps. Je leur ai dit, oh mais, c'est Dieu qui est saint. Ce n'est pas le bois, ce n'est pas ce bois. C'est comme si ce bois était mon ami. Et s'il pouvait parler, il aurait beaucoup d'histoires à raconter. Chacune de ses entailles, des coups qu'il a pris, a une histoire. La première fois que je suis venu à Hollywood, en Californie, c'est après avoir lu dans les journaux les nouvelles du mouvement hippie qui se produisait sur Sunset Street, puis à Griffith Park. Il y avait des grands hôtels d'amour à Griffith Park. Et là, je suis allé à Griffith Park avec ma coupe au carré, en costume cravate. Et tous ces hippies
fumait de l'herbe et ils faisaient la fête. J'ai commencé à distribuer des tracts annonçant l'évangile, des petits morceaux de papier avec un message de Jésus écrit dessus. Et j'ai parlé à un gars qui avait l'air vraiment à l'ouest et il a dit « Hey man, pourquoi tu viens pas devant pour raconter ça à tout le monde ?» Je suis monté sur la scène et soudain, des paroles que je n'avais jamais partagées ou prononcées sont sorties de moi. « Combien d'entre vous veulent planer ?» Et tout le monde a dit « Ouais !» Et j'ai dit « Alors priez pour que vous alliez droit jusqu'au ciel. Combien d'entre vous veulent être pleins aux as ?» Et tout le monde s'est réjoui et j'ai dit « Alors faites-le plein de Matthieu, Marc, Luc et Jean. » Et ça a changé ma vie. Sunset Strip in Hollywood, California, anytime, day or night, and find his place. His place is the home of the minister of Sunset Strip, and he's inviting you to visit with Justin Time and some very special people. A former biker chick, a bike club president, a convict, and a prostitute. In his place, here's Arthur Blessett. We welcome you to his place here on Sunset Boulevard. We know that you're going to enjoy the testimonies that are going to be shared here around the table. His place is kind of halfway between a church and a nightclub. That's kind of a weird place to be. J'ai commencé à être là dans les rues de Sunset à plein temps, à aller dans les boîtes de nuit qui me laissaient entrer. Et finalement, Bill Gazzari m'a laissé faire. Il m'a laissé faire ce qu'il a appelé le gospel d'Arthur Blessett au nightclub Gazzari de Sunset Street. Et de là, avec André Matt Koch et les Jimmy Howard Singers, on remplissait cette salle et on parlait de Jésus. Well, about 8 months ago, I was really deeply lost in sin and prostitution, drug addiction, just about anything you can name that was underhanded, I was into it. Well, I was walking down Hollywood Boulevard and one of the Jesus freaks from his place came up to me and started rapping to me and showed me a tract and invited me over to his place and we hitchhiked on over there and I got the Lord that night. Puis j'ai senti Jésus me parler et dire, je veux que tu mettes une grande croix au mur. Je ne voulais pas mettre une croix au mur. Mais là, ce soir-là, j'ai réalisé que oui, je devais faire une croix parce que c'était ce que Jésus m'avait dit. Quand j'étais sur le point de soulever la croix, j'ai réalisé que je n'avais pas de clé pour serrer les croûts qui tenaient les poutres de la croix. Alors, de dehors, un des Hells Angels est venu avec sa moto et j'ai dit, « Salut, Tom. J'étais allé au camp de Hells Angels pour prêcher. » J'ai dit, « Est-ce que tu as une clé? J'ai besoin d'emprunter une clé. » Et il a dit, « Yeah, man, j'ai une clé. Viens chez nous. » Et il a dit, « T'as besoin de quoi? » J'ai dit, « C'est là. J'ai besoin de serrer cet écrou. » Il a dit, « C'est quoi, ça? » Et j'ai dit, « C'est une croix. Une croix de 3,60 m. » Il a dit, « Tiens, prends la clé. Fais-le toi-même. » Environ 3 jours plus tard, je marchais dans le bâtiment et j'ai vu Tom debout à regarder la croix. Et je suis allé vers lui et j'ai dit, « Tom, qu'est-ce qui se passe ?» Et il a dit, « Man, chaque fois que je descends la rue à moto, il y a des croix de partout sur toutes ces églises. Je ne les avais jamais vues avant. » Et j'ai réalisé que c'était ma clé qui avait resserré les croûts du milieu. Et tu as dit que ce sont mes péchés qui l'ont cloué là. Raconte-moi. Pour la première fois, j'ai alors réalisé la puissance de cette croix, grandeur nature. Puis de temps en temps, on décrochait la croix et on allait le long de Sunset Boulevard. You see, we just love to share the Lord. We like to use what we call reds. Reds are these little red stickers. I mean, up and down the strip of dealing, acid speed, grass, mescaline, everything. So we got our reds. We go up to somebody and we say, hey man, I turn you on some reds, and they say, far out. And say, okay. So we just wheel off and stick them with a red. You know, these reds got glue on the back. They'll fit on police cars, phone booths, you know. They'll fit all anywhere you can stick these reds. I heard the Lord calling me out of the sleep. Puis on retournait chez lui avec une foule de jeunes qui nous suivaient dans les locaux où on jouait de la musique chrétienne. Puis je me mettais à prêcher vers minuit. C'était très étrange car j'avais prêché dans une boîte de nuit appelée le cellier à 1 ou 2 heures du matin. Alors que je me préparais à aller me coucher, Jésus m'a parlé si clairement. Arthur, décroche la croix du mur du bâtiment.
Mets la sur ton épaule et porte-la à pied à travers l'Amérique. Et va porter mon message là où sont les gens. J'étais prêt à le faire. J'étais prêt à être obéissant à son appel. Mais cela entrait en conflit avec, tout d'abord, mon désir d'être sur Sunset Strip. J'aimais bien être le prédicateur de Sunset Strip, à travailler parmi les jeunes. Et je pense que la façon que le Seigneur a utilisée pour me motiver, c'est de me montrer que le Sunset Strip s'étend à travers le monde. Et soudain, j'ai senti une piqûre de douleur sur le côté de ma tête, qui est rapidement devenue engourdie et en partie paralysée, ainsi que des parties droites de mon corps. Le docteur disait, on dirait qu'il va falloir pratiquer une opération du cerveau pour cet anévrisme. J'ai dit, je suis censé partir dans 2 semaines pour porter la croix à travers l'Amérique. Et là, je sais qu'ils ont pensé que j'avais vraiment besoin d'une opération du cerveau. Mais ils ont dit, vous ne pouvez rien porter de lourd. Vous ne pouvez pas vous fatiguer physiquement. Un effort pourrait causer un anévrisme dans votre cerveau. Et étendu sur un lit, j'ai dit, Jésus, que veux-tu que je fasse? Et il n'a rien dit. La plupart du temps, il parle. Et cela m'a paru très étrange. Et je me suis dit, pourquoi ne me parles-tu pas, Seigneur? Tu m'as appelé à porter la croix. Tu as dit, pars le jour de Noël. Et me voilà avec une rupture d'anévrisme, malade, au lit. Puis j'ai réalisé quelque chose. Il m'avait dit ce que j'avais à faire. Et voilà que j'avais laissé mes circonstances altérer l'appel. Et étendu sur ce lit, j'ai appris cette leçon de vie. Les circonstances ne changent rien à l'appel. Et j'ai dit, plutôt mourir dans la volonté de Dieu que de vivre en dehors. Je me suis levé du lit, j'ai jeté les médicaments aux toilettes et tiré la chasse. Et moins de 2 semaines plus tard, le matin de Noël, j'ai mis la croix sur mon épaule. Ça m'était difficile de parler, difficile de marcher. Mais j'ai pensé, je mourrai le visage dans le vent, mais je ne vais pas mourir allongé dans un hôpital quelque part. J'ai commencé à descendre Sunset Boulevard en direction de Washington, D.C. I make this vow to you, surrender all I do. You're the reason I'm here, precious gift to me. Your heart has set me free and I love you. The greatest sacrifice that stood the test of time. Each breath I take, I will give my life. One faith, one love, one hope, one touch to change a life. No one left behind, one smile. Beaucoup de personnes craignent la volonté de Dieu. Ils disent, Dieu m'appelle. Oh, vraiment, j'ai peur de... Chasse ça de tes pensées. Dieu te parle, dis, merci Seigneur. Tu as une mission pour moi. Pour rien au monde, je ne voudrais vivre autrement que dans la volonté de Jésus. J'ai 68 ans maintenant, Je sais, j'ai l'air d'un adolescent, je me sens plus jeune que ça. Tu vois, chaque difficulté devient soit un tas de pierres d'achoppement, soit un tremplin. Et je considère les difficultés de ma vie comme un tremplin pour grandir. Je suis plus proche de la fin que je ne l'étais quand j'ai commencé. Smile.
j'ai quitté l'Amérique pour ma première traversée outre-Atlantique, c'était vers l'Irlande du Nord. L'IRA contrôlait certaines parties de Belfast. Et je portais la croix au milieu de ce combat, descendant par un côté et revenant par l'autre côté. Et il y avait un groupe d'hommes debout là. Et ils ont dit, « Tu viens de pénétrer dans notre zone. Fais demi-tour. » Et j'ai dit, « Non, nous portons la croix en disant, « Venez à Jésus, Jésus vous aime. Il est la solution. » Ils ont dit, « C'est notre zone ici. Si tu traverses la prochaine rue là, on va te clouer à cette croix. » Ah, ils avaient de gros clous et un marteau. Et ces gars-là avaient l'air durs. Et je savais que c'était un de ces moments déterminants pour le reste de ma vie. J'ai dit, man, on revient dans quelques minutes. On va prier. On reviendra ici. Tu dois faire ce que tu dois faire et je dois faire ce que je dois faire. Et je suis allé vers cet homme et j'avais des petits autocollants ronds, Jésus qui disait « Souris, Dieu t'aime ». Et j'ai commencé à les coller sur leurs épaules en disant « Jésus t'aime, il est mort sur la croix pour toi, on peut prier, il peut te donner une nouvelle vie ». Et ils me regardaient stupéfaits, ils ont dit « T'as pas entendu ce qu'on a dit ?» Alors j'ai entendu « Oui, j'ai entendu ce que vous avez dit, mais je ne crois pas que vous le pensiez vraiment ». Je leur ai juste donné une tape amicale sur l'épaule, j'ai dit « Vous, les gars, vous avez l'air d'être de bons gars. » J'ai dit, « Dieu vous aime. Vous n'êtes pas obligé de vivre comme ça. Vous n'êtes pas obligé de vous comporter comme ça. Il y a quelque chose de plus grand. » J'ai dit, « Est-ce que vous voudriez vous mettre à genoux et prier avec nous ?» Ils ont dit, « Oh, continue ta route. Continue ta route. Vas-y, continue. » Alors qu'Arthur montrait de façon certaine qu'il ne manquait pas de courage, ses histoires avaient plutôt tendance à le faire passer pour un fou. Bien sûr, de nombreux missionnaires ont passé du temps dans des endroits dangereux. Mais rajouter une croix de 3,60 m, on pourrait penser que ça complique les choses pour faire passer le message. Une croix géante est-elle vraiment nécessaire? Et dans la plupart des cas, quand tu poses une question à Arthur, il répond avec une nouvelle histoire. Là, nous sommes sur la colline des croix, qui incarne vraiment le cœur et l'âme de la Lituanie. Par trois fois, les communistes ont démoli cette colline au bulldozer pour détruire la colline des croix. Mais à chaque fois, elle est ressuscitée par la foi. On n'arrêtait pas d'entendre des nouvelles de la colline des croix. Et j'étais très, très intéressé par cet endroit. Mais je n'étais pas préparé à ça. Parce que quand tu arrives, tu vois tout d'un coup la colline. Et il y a des milliers, des dizaines de milliers de croix. Mais quand tu réalises que tout cela représente des gens opprimés par le communisme qui essayaient de détruire toute croyance en Dieu, que chaque croix représentait quelques déclarations d'une famille, un geste de défi, et j'ai regardé, et tout ce que j'ai pu faire, c'est pleurer. Mais il y avait un petit rassemblement de personnes là, et ils avaient des pelles. Un Américain était venu amener la croix, et ils étaient prêts à creuser un trou pour y planter ma croix. Et me voilà en train de dire non, 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 non. Et j'ai réalisé que cela faisait partie du message, que interpréter la croix pour les gens, en lui donnant une nouvelle définition. Ils avaient vu tant de croix apportées par des personnes qui partaient ensuite. Avec la mienne, ils ont compris, il porte la sienne. Il va quelque part. Il répand un message. Et le matin suivant, quand nous étions prêts à partir, ces gens étaient tous rassemblés. Ils pleuraient, ils m'embrassaient, ils me serraient. Ils nous embrassaient, la croix et moi, et ils nous ont mis en route. Et c'était une révolution, parce que j'avais été le seul à avoir amené une croix et à être reparti avec la croix que j'avais amenée. Tellement de gens ont l'impression que la croix est contre eux. Ils regardent la croix et ils pensent, « Oh, la croix est contre mon orientation sexuelle, ou j'ai avorté, ou je bois de la bière, ou
Je fume des cigarettes, alors Dieu me déteste. La croix est le signe gravé de façon absolue, claire et indélébile qui signifie « Je t'aime ». C'est cela même que la croix dit. Je m'intéresse à toi. Je suis descendu et je me suis mêlé à ce désordre que les gens appellent la vie et je me suis fait chair. Et il s'est sacrifié avec ses mains clouées à cette croix et ses pieds cloués avec son côté percé. Et il disait, je suis avec vous. Je suis avec vous. Je vous aime. Je vous ai à cœur. J'ai appris il y a un bon bout de temps que pour changer le monde, il faut laisser Jésus venir et nous changer de la tête aux pieds, de l'intérieur à l'extérieur. Nous n'avons pas besoin d'une gifle, nous n'avons pas besoin d'un doigt accusateur pointé vers nous. Les gens savent qu'ils ont des problèmes, ils savent qu'ils ne sont pas parfaits, mais ils cherchent une façon de s'en sortir. C'est ça la vraie conversion, c'est que si une personne est en Christ, elle est une nouvelle création. Il commence une nouvelle vie. Christ, qui est mort et ressuscité, vit maintenant en eux et ils sont changés. Il n'y a pas de violence. Ils ne veulent pas. Ils n'en ont pas besoin. Ils ne le désirent pas. Non. Ils ne veulent plus se tourner vers la violence. Ils ne veulent plus vivre la vie qu'ils ont vécue parce qu'ils ont un nouveau désir. C'est leur nature qui a changé. Ceci dit, c'est vrai que certaines personnes ont de toute évidence de réels blocages. Mais vous savez ce que j'ai remarqué? Que même les terroristes, même les pires personnes, les meurtriers qui se battent, qui viennent de tuer leurs voisins de l'autre côté de la rue, quand tu y vas et que tu commences à leur parler, tu découvres qu'ils aiment leurs enfants. Il y a tant de beauté en eux, mais il y a une distorsion vers le mal, et Dieu peut changer ça. Eh bien, on était en Suède, et j'ai lu un article concernant la tragédie terrible qui se déroulait ici. Je portais la croix à travers la Suède, et mon cœur était brisé, et nous devons aller prier pour la paix. Alors on a pris l'avion pour Tel Aviv, puis j'ai loué une voiture et conduit jusqu'à Beyrouth Est. Quand nous sommes arrivés près de l'aéroport de Beyrouth, tout d'un coup, il y avait des coups de feu, des tanks qui tiraient des missiles. Tout le quartier a explosé devant notre voiture. Joshua a commencé à hurler « Papa, papa !» Et je lui ai dit « Joshua, je vais faire demi-tour et te ramener à Jérusalem. » Mais je dois continuer. Il a baissé la tête, mis la main sur la tête, puis il a regardé. Il a regardé non pas vers moi, mais droit devant. Je lui ai dit, Joshua, si on se loupe là, il se peut que tu meurs. Il se peut que je meure, mais on ne pourra plus reculer. Ce que je veux dire, c'est que dans 1 kilomètre, on ne pourra plus décider de faire marche arrière, c'est tout. Et Joshua a dit, papa, on y va. On y va. J'ai démarré et on a roulé en plein là-dedans. On était au milieu de la guerre. Il y avait 2 moines qui faisaient du stop. Alors, on s'est arrêté pour les prendre. Et ils nous ont dit, on vit au monastère là-haut, dans les montagnes qui surplombent Beyrouth. Venez passer la nuit. On leur a dit qu'on allait porter la croix dans Beyrouth et ils ont répondu, un de nos prêtres a été tué aujourd'hui là-bas. Ils vont vous tuer. Et pour le dîner, ils nous ont fait l'extrême onction. Et ils nous ont accueillis, moi et mon fils Joshua. Puis nous avons dîné. J'imagine que c'était comme la scène. Et puis on va se coucher. Je regarde par la fenêtre les bombes qui explosent et coups de feu juste en direction de notre destination du lendemain matin. Soudain, je vois un moustique. C'est pas des blagues. Si j'étais en train d'inventer une histoire, elle pourrait pas être aussi bonne. Enfin, je vous promets, au ciel, ils auront une vidéo de ça. Mais voilà ce moustique qui fait...
Et moi, je me prépare mentalement à le tuer, puis je me dis, j'aimerais vraiment voir comment un moustique fait pour piquer. Je me dis, ils m'ont dit que je vais mourir demain, alors régale-toi, régale-toi. Si tu piques, Joshua, je te tue, mais sinon tu peux m'avoir tout entier, si tu veux. Alors me voilà avec la main en l'air et le moustique juste là, sur les petits poils de mon bras. Et j'observe. Et il se dandine comme ça, il lève la tête et bam! Tu sais, il plonge son petit nez et il y va. Il commence à trembler. Et il se retourne sur le dos, mort. J'arrive pas à y croire. Je ramasse ses petites jambes, je l'étends près de la petite bougie qui brûle et le lendemain matin, il y est toujours. Il était vraiment mort. Et je me dis, ah! Et le Seigneur me parle. Demain soir, tu dormiras dans Beyrouth, ouest. Il n'a pas dit tu mourras. Il a dit tu dormiras dans Beyrouth, ouest. Le matin suivant, nous nous sommes levés, nous avons longé les troupes israéliennes. Non, il y avait vraiment du combat et non, non, accès interdit, papier, non. Alors Joshua et moi, nous avons contourné le bâtiment, nous nous sommes assis, nous avons posé notre croix contre un poteau et nous avons prié. Et tout paraissait absolument sans espoir, jusqu'à ce que j'entende une voix qui disait « Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est quoi ?» C'était un Israélien. J'ai dit « C'est la croix. » Et il a dit « T'es venu de Jérusalem au Caire ?» J'ai dit oui, il y a 2 ans, à travers le Sinaï. Il a dit, j'étais commandant de tank et je t'ai amené de la nourriture et de l'eau. Tu te souviens quand tous ces tanks sont arrivés? Et il a dit, c'était moi. Je me suis souvent demandé si tu avais survécu. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit, j'essaye d'aller à Beyrouth Ouest prier pour Yasser Arafat. Il a dit, oh man, nous on essaye de le tuer. Et il m'a dessiné une carte sur un morceau de papier. Je l'ai toujours cette carte. Et il a dit, tu descends là, puis tu arrives là, et tu tournes. Et il a dit, il y a 2 quartiers de mines, mais c'est le chemin d'accès. Et il a dit que Dieu est compatient de ton âme. Puis il s'est détourné, des larmes coulaient de ses yeux et il s'est éloigné. Puis nous avons commencé à marcher vite. Il y avait des soldats israéliens qui hurlaient « Reviens, reviens !» Et nous voilà en train de marcher au beau milieu de 5 armées en plein combat. Et je tiens la main de Joshua et je lui dis « Pense, par où tu penses qu'on devrait aller ?»« Je sais pas, papa. Prie, je prie, papa, je prie !» Puis on arrive à une butée de terre et d'acier et une barrière anti-tank. On monte au sommet et là, il y a toutes ces armes pointées sur nous et un gars qui dit « Mais qu'est-ce que vous faites ici ?» Et je dis, il avait parlé en anglais, je dis « On porte la croix, on est venu avec des bonnes nouvelles. » Et il répond « Si vous avez de bonnes nouvelles, vous êtes bienvenus. On prend toutes les bonnes nouvelles qu'on peut ici, rentrez. » Et Joshua et moi sommes rentrés. Des soldats se sont précipités vers nous. Ils essayaient de nous donner des cigarettes, des boissons et du thé. Ils étaient si enthousiasmés de nous voir. Voilà le Beyrouth Ouest musulman. Et tout d'un coup, il y a eu un bruit autour du bâtiment. Yasser Arafat arrive. Il est venu pour nous accueillir. Peter Arnett de CNN l'a filmé. The evangelist Arthur Blessett from Los Angeles described himself as a follower of Jesus and the cross was for all people. Puis-je prier? Père, je prie au nom de Jésus pour ta paix. Je prie pour ta paix dans tout ce pays. Qu'il n'y ait plus de meurtre, qu'il n'y ait plus de mort. Que les rêves et les espoirs et aspirations de tous les peuples soient accomplis. Je prie afin que tu épargnes la vie de cet homme et que tu le bénisses ainsi que tous les peuples. Et au Seigneur, que personne d'autre ne meure. Nous t'aimons Jésus. Et nous te remercions de nous avoir amenés ici à travers de nombreux dangers afin que nous prenions position pour la justice, pour l'amour et la paix et que personne d'autre ne meure. Au nom de Jésus. Amen. Thank you.
Les gens disaient, tu vas te faire tuer en portant une croix. Personne ne te veut avec une croix ici. Mais bien sûr, ce n'est pas vrai. Nous avons été accueillis. Nous sommes là pour la paix. Le Dieu d'Abraham dit qu'il y ait la paix. Ça a été grand de voir que les personnes dans les pires endroits, dans les endroits les plus difficiles, sont parmi les nombreuses personnes qui ont le mieux accueilli la croix. Les gens que tu aurais imaginé te rejeter, ils ont vu la croix traverser leur champ de bataille. Et au lieu d'appuyer sur la gâchette, Dieu a appuyé sur leur cœur. Et ils ont répondu. Matt Crouch, qui met en scène ce film, a voulu m'amener à parler de mes pires expériences. À propos de la souffrance et de ce qui a été vraiment dur. Il dit que dans un film, il doit y avoir des moments difficiles et des moments plus heureux. Quand tu te trouves dans la jungle et que ça fait des jours que tu n'as pas de papier toilette, il n'y a rien d'autre que des feuilles de bananier. Ah, c'est vraiment, vraiment pas bon. Les femmes, elles mâchent du maïs. Et il y a comme une grande marmite installée au milieu du village, et à chaque fois qu'elle passe à côté, elle crache dedans. Et elle vous donne ça à boire. C'est du maïs mâché et du crachat avec du jus. Et ils vous tendent des morceaux de viande de choix à manger, un bras de singe. Et avec le bras, il y a la main. Et la viande a été pelée à moitié. Et là, vraiment, tu serres la main. Tu tiens cette main. On dirait celle d'un enfant. Et alors que tu mords dedans, tu étires les tendons et les doigts remuent. Oh, il n'y a pas plus découdant que ça, là, ma danger et bestiole. Tu as étendu la noix dans un hamac. La chose se met sur ses pattes. Et juste quand la dame ouvre la porte, moi je dis, oh. Ou alors j'étais accroupi, là, j'ai vu l'herbe commencer à bouger. Et je savais que c'était un ver, parce que quand j'étais gamin, j'allais à la pêche et on utilisait ça comme appât. Je pensais que la pire expérience de toilette a été encore une fois au Japon. Tout est tellement high-tech, et tout le reste des piranhas aux serpents, rois, des buissons qui vous piquent. Je n'en ai pas vu beaucoup, il y avait trop de végétation. C'est comme si tu poussais ce bouton, puis celui-ci, puis celui-là. J'ai crié « Jésus !» Et j'ai fait un bond. Et ce crocodile est venu juste là où je squattais. Quand j'ai regardé ça, je me suis dit, je peux pas manger ça. Et l'interprète a dit, t'es obligé, c'est grand-mère qui l'a cuisiné. Alors tu appuies sur celui-là, et il y a un gros jet d'eau qui fait, et qui te lave le derrière. Bon, avant même que ça m'ait frappé le ventre, ça s'est levé plus vite. Puis c'est redescendu. Et j'ai dû bondir dans la maison et commencer à retirer mes pantalons. Et il y avait ce jus, ça ressemblait à du vomi. C'était rose. C'était comme du vomi rose. Et puis tu presses sur celui-là et c'est de l'air chaud. Tu regardes par là, il y a tous ces gens qui te font un grand sourire. Et là, tu comprends ce que tu manges. C'est ce qu'ils ont craché. Si tu appuies sur les boutons dans le désordre, tu ne peux jamais savoir ce que tu vas avoir. C'était affreux, affreux. C'est se lever tous les matins de façon implacable, tous les jours. Tous les jours. C'est comme... La plupart du temps, j'ai porté la croix du lever du soleil jusqu'à la tombée de la nuit. Et tu es là. Tu marches de l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud. Tu traverses l'Afrique. Et il fait chaud.
Et tu dors et ça te gratte. Je me souviens une fois, peut-être le plus dur. Je traversais l'Afrique de l'Ouest et ça faisait un beau temps que je marchais. Et il y avait un gîte pour missionnaires où tu pouvais aller juste pour te reposer. Et ça faisait 2 mois que je cherchais ça. Juste me plonger dans cet air conditionné là. Je me disais, je vais rester là, peut-être 3 jours, ou peut-être 2 jours. Je veux juste m'allonger, je veux juste rentrer et rester dans un endroit frais. Ouais, je suis arrivé là-bas, je me tenais là avec la croix et j'ai dit, je suis Arthur Blessit. J'ai dit, je traverse l'Afrique et on m'a parlé ces 2 derniers mois d'une base missionnaire ici et j'ai dit, je peux vous payer, mais on m'a dit que vous avez l'air conditionné et j'aimerais prendre une chambre ici, juste pour me reposer, pour 2-3 jours, si ça vous va. Et ils ont dit, vous savez, on prend seulement les missionnaires ici. Vous savez, on ne fait pas motel ou autre. Juste les missionnaires. Et j'ai dit, eh bien, quoi, je suis missionnaire. Je marche depuis la Sierra Leone et ça fait 3200 kilomètres dans cette direction. J'ai dit, et je prêche tous les jours. J'ai dit, j'ai été ordonné pasteur. Ils ont dit, nous vous remercions beaucoup, mais nous ne faisons, nous ne prenons que les missionnaires classiques. Et nous ne pouvons pas laisser les voyageurs et les randonneurs ou autres rester ici. Et j'ai dit, merci. Et je suis parti. J'étais tellement blessé. Tu sais, comme si porter la croix n'était pas... Si je n'étais pas un missionnaire compétent, je n'ai pas de badge, je n'ai pas de carte, de titre qui dit que je suis quoi que ce soit. Je portais juste une croix. Et alors que je marchais depuis une demi-heure après ça sur la route, une voiture s'est arrêtée, une Peugeot blanche, je n'oublierai jamais. Et ce gars et cette dame sont sortis de la voiture, ils ont dit, « Wow !» Ils ont dit, « On a entendu parler de toi. » Quelqu'un nous a appelé, nous a dit que tu venais il y a environ un mois, puis on a entendu quelque chose à l'école. Ils ont dit, nous sommes profs à l'école. Ils ont dit, enfin, nous sommes athées, nous ne croyons pas en Dieu. Mais nous avons une maison juste plus loin sur cette route et on a l'air conditionné dans une chambre. Et si tu veux bien, on aimerait que tu séjournes chez nous. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. J'ai dit, vous êtes sérieux? Ils ont dit, oui, ils ont dit, ça va. Ils ont dit, on dirait que tu as pleuré. J'ai dit, oh, ça va. J'ai dit, je vais bien. Et ils m'ont laissé leur chambre. Et ils m'ont nourri. Et je me suis reposé. C'est une des choses les plus émouvantes au monde. Qu'ici, ces gens athées ont été ceux qui ont accueilli un pèlerin avec aucune lettre de recommandation de la base missionnaire. En arabe, il y a un mot que les Arabes utilisent, Inch'Allah, si Dieu le veut. Et quand on arrive à cette conviction, il y a une liberté incroyable. Tout revient à la perception que tu as de Dieu. Dieu est-il notre ami? Est-ce qu'il m'aime? Est-il vraiment avec moi? Jésus a dit, je serai toujours avec vous, sans condition. Ce n'est pas basé sur les circonstances. C'est toujours valable. Et quand tu sais ça, qu'il est présent, quels que soient les événements de ta vie, il y a une confiance. Il n'y a pas de peur, il y a un zèle, et il y a une assurance que ce qu'il veut va se réaliser. Et quand tu peux accepter ça, alors tu es libre. Je me souviens avoir porté la croix
En Italie, après avoir rencontré le pape, je portais la croix à Assise. Et j'essayais de marcher dans l'esprit, sur les pas de Saint François d'Assise, et j'avais laissé tout bagage. J'avais froid, il neigeait, il tombait de la neige fondue, il pleuvait, et le vent soufflait. Et cette nuit-là, j'ai senti que j'avais peut-être une hypothermie et que j'allais vraiment mourir. Il faisait tellement froid. Et je me souviens de m'être arrêté. J'avais la croix sur l'épaule et j'ai regardé vers le ciel et j'ai dit, « Seigneur, au nom de Jésus, arrête la pluie, arrête le vent, arrête le froid. » Et il a plu. C'était une pluie battante et le vent soufflait et la neige fondue tombait plus que jamais. Et je me souviens avoir regardé vers le ciel et j'ai dit, « Je t'aime quand même. Il en faudrait plus de pluie, plus de neige, plus de froid pour que mon amour tarisse. C'est ça que tu as pour moi ce soir. Alléluia. » Quand j'ai traversé le Nicaragua, c'était en pleine guerre civile entre Somoza et les guerrilleros sandinistes. C'était une situation très, très explosive. J'avais un véhicule 4x4 qu'un ami à moi, Mike Uden, conduisait. Et un autre ami, Don Price, était venu passer 2 semaines avec moi sur la route. Et Don m'a dit, « Les gens disent de ne pas passer la nuit là. Tous ceux qui se trouvent sur le bord de cette route la nuit, ils vont le voler, le tuer. » Et j'ai dit, je n'ai jamais fui de toute ma vie. Et je ne vais pas commencer aujourd'hui. À environ 2 heures du matin, on a entendu un grand bam sur la porte. Je suis sorti et pour la première fois, j'ai vu environ une demi-douzaine d'hommes armés lever leurs armes et les pointer sur moi. Et j'ai entendu cet homme dire « Uno », c'est-à-dire « un ». Et j'ai pensé, je sais compter jusqu'à 3, je ne connais pas le mot pour feu, mais ce qui m'a traversé l'esprit, c'est « je ne vais pas mourir sans une Bible ». Là, je voyais les hommes armés debout autour de moi, je voyais leurs pieds, et ils me tiraient l'épaule pour essayer de me faire lever. Et je mets la main sur la boîte et j'ouvre. J'ai ma main sur une Bible et je frissonne d'émotion, puis je me dis, je vais tous leur donner une Bible. Et je me charge les bras de Bible, debout, avec une dans la main, et plus personne ne se tenait là-dedans. Et je regarde, à environ 5 mètres, il y a 6 gars allongés à terre. Et je pense, wow. Et je vais vers eux, et je dis, voudriez-vous une Bible? Et là, ils ont couru vers le camion. Ils ont sauté à l'arrière et le camion a démarré le long de l'autoroute. Et je me tenais là, choqué, stupéfait. Et je me disais, waouh, ces gars-là, je pense qu'ils étaient sérieux. Ils allaient me tuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis plus tard, on a remarqué que le village entier s'était rassemblé. Ils étaient à genoux dehors et ils disaient, on a vu une grande lumière. Dieu était là. Honnêtement, j'étais déçu. J'étais prêt à mourir et maintenant, je devais continuer. J'étais absolument préparé, prêt à rentrer dans l'éternité et être avec Jésus. Et j'ai réalisé que Dieu m'avait préservé. C'était presque comme un sens de l'humour, comme si le Seigneur disait, « Tu ne vas pas t'en sortir si facilement. Tu as encore beaucoup de kilomètres à parcourir. Tu dois accomplir ta destinée. Ça n'est pas fini. » Tu n'as même pas encore parcouru la moitié du monde. J'ai réalisé que pour moi, pour quiconque, l'endroit le plus sûr sur Terre, c'est la volonté de Dieu.
Quand tu es dans la volonté de Dieu et qu'il décide que tu vas réussir, tu vas réussir. En 1979, la vision qu'avait Arthur de la souveraineté de Dieu a été éprouvée de façon ultime. Il s'est retrouvé face à la jungle la plus profonde, la plus impénétrable du monde, le Darién, au sud du Panama. Bien sûr, cela devenait assez clair pour moi, que pour Arthur, il n'y avait pas d'épreuves. Seulement des opportunités d'expérimenter Dieu de façon nouvelle et inhabituelle. Des officiers militaires locaux lui ont dit que tenter de traverser le Darién, c'était du suicide. Un Arthur pas du tout découragé a recruté deux fidèles amis, dont un ex-béret vert, pour l'accompagner dans ce dangereux voyage. Après moins d'une semaine, dans la jungle, les deux amis ont fait demi-tour. Je pense que, à la minute même où le deuxième gars a décidé de faire demi-tour, ça a été un des moments décisifs de ma vie. J'ai éprouvé un grand sentiment de solitude. Pas seul, parce que je savais que Jésus était avec moi, mais très solitaire. On m'avait dit que je devais avoir ces gars pour réussir. Et là, les deux s'en retournaient. Et je me tenais là, choqué. Je savais que peu importe ma destinée, je devais aller de l'avant. Jésus avait dit « marche de l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud ». Il n'avait pas dit « prends un bateau pour contourner les endroits difficiles ». Et je savais que moi, je devais continuer. Je pouvais être confronté à la mort en continuant, mais je ne pouvais pas être confronté à cette agonie obsédante que j'aurais ressentie si j'avais arrêté sans même essayer. Je savais, quand j'ai traversé cette rivière, que Dieu savait si j'y arriverais. Et pour moi, ça suffisait. Et ça a été un moment imposant dans ma vie. Parce que le seul qui parlait anglais, c'était Jésus. Et j'aimais sa compagnie. Et j'aimais sa présence. Et je savais qu'à partir de ce jour, rien ne me détournerait d'essayer d'obéir. Et il se pouvait bien que j'échoue, mais si j'échouais, j'échouerais en tombant vers l'avant, pas en étant assis, pas gouverné par la peur, jamais. Alors, la jungle du Darién est une succession de sommets de montagnes escarpées. Elle est presque impénétrable, de marécages, de palétuviers, de rivières qui tombent, des montagnes en cascade, des falaises abruptes, de chaque côté des rivières étroites. J'aurais à y monter par un torrent. Il faudrait descendre sur peut-être 10 mètres, peut-être 15, 22 mètres, avec la croix. Et parfois en se tenant aux plantes grimpantes, s'abaisser jusqu'au torrent déchaîné. Faire passer la croix, puis essayer de monter un ravin raide, pratiquement vertical. Et accrocher la croix aux plantes ou autres, et me hisser vers le haut, m'élever vers le haut, tirer, et parfois t'arrives presque au sommet et tout casse. Et tu tombes, et il y a des rochers en dessous, et tu cries, « Jésus, aide-moi !» Ça a été une longue traversée à pied, puis une partie du chemin par bateau depuis Lavis. Mais
Alors que nous portions la croix à travers de petits villages, les gens prenaient les autocollants et nous avons partagé l'évangile de Jésus-Christ. On aurait dit que le Seigneur avait retiré mon interprète et mon espagnol est très limité. Tout ce qui se fait, c'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas par force, pas par puissance, mais par l'Esprit, dit le Seigneur. Et une des choses les plus difficiles pour moi a été de partir des petits villages. J'aurais pu y rester si facilement, y habiter. Je voulais tellement qu'ils comprennent le sens de la croix. Aucun d'entre eux ne parlait anglais. Et on aurait dit qu'ils ne comprenaient pas l'espagnol. Ils parlaient leur langue natale, le choco. Et j'ai senti que Jésus m'a dit de faire une mise en scène. Et j'ai pris la croix et j'ai mis en scène la crucifixion de Christ. Et les gens me regardaient. Et puis je me suis mis à pleurer parce que je me disais, « Oh, Dieu, ils ont besoin de comprendre. Je voudrais tellement qu'ils voient ton amour et qu'ils voient l'amour que la croix représente. » Et alors que je pleurais, j'ai regardé vers eux et les gens pleuraient. Puis je suis allé vers les enfants et je disais, « Jésus, Jésus. » Et eux, je touchais leurs lèvres, « Jésus. » Jésus. Et ils ont dit Jésus. Ouais. Puis quand les enfants disaient Jésus, je montrais la croix du doigt et je montrais le ciel du doigt. Et puis je pointais le doigt vers mon cœur et un petit moment après, les adultes disaient Jésus. Et quand je suis parti, le jour d'après, je suis parti en poussant un grand cri, Jésus. Et ils criaient en retour, Jésus. Il n'y a certainement pas de meilleure histoire pour présenter le pourquoi Arthur fait ce qu'il fait, que de visiter la Plaza Mayor à Madrid, en Espagne. C'était en 1972 et l'Espagne était toujours sous la dictature du régime fasciste de Franco. Je ne savais même pas ce qu'était la Plaza Mayor. J'ai demandé à un journaliste, je lui ai dit, si vous portiez une croix et que vous alliez à Madrid, où iriez-vous? Et il a dit, la Plaza Mayor. Je me suis dit, c'est là, la Plaza Mayor, j'y vais, et j'ai donné la date. Et alors que la date approchait, les pasteurs ont commencé à me dire, ça a été l'endroit de l'Inquisition. Environ 100 000 personnes ont été martyrisées sur la Plaza Mayor. Et là, à nouveau, il y avait des restrictions et des combats pour la liberté religieuse. C'était à nouveau le combat qui avait lieu en Espagne à cette époque. J'ai porté la croix sous ses arches, j'ai regardé, et il y avait environ... C'était plein à craquer, une capacité de 20 à 30 000 personnes qui se tenaient coude à coude sur la place. Nous nous sommes frayés un chemin au centre de la place. Nous avons élevé la croix et j'ai commencé à prêcher. Un silence a couvert la foule et au fond, la garde civile. Les troupes d'intervention de Franco. Et là, un officier s'avance et dit, « Descends cette croix, va-t'en, va-t'en. » Et je dis, « Non, je suis là avec ceux du passé qui ont été martyrisés. » Paf, boum, on m'a assommé, la croix est tombée. Et une de ces histoires, les plus surprenantes de toute ma vie, s'est déroulée sous mes yeux. Un des pasteurs qui se tenait non loin a saisi la croix et a commencé à l'élever. Et d'autres se sont précipités, ont saisi la croix, l'ont érigée. Et moi, j'étais à terre en train d'essayer de respirer. La police a commencé à matraquer ces pasteurs qui tenaient la croix debout et à les assommer. Et puis d'autres personnes de la foule venaient en courant pour laisser la croix debout. Élevée. C'était un tel mouvement de foule et ils savaient ce qui était en train de se passer.
Et pourtant, on entendait les paf, les boum, une grande partie des gens souffraient. Ils étaient brutalisés. Et pourtant, la louange a commencé à remplir toute la place. On m'a traîné par les talons jusqu'à une voiture de police garée là plus loin. Et j'ai été fourgué à l'arrière. Et j'ai regardé derrière moi et j'ai vu des vieilles dames, des petits-enfants, tout le monde courir à la croix et essayer de la faire tenir debout. Et ces hommes en train de les battre jusqu'à terre. Puis la voiture de police est partie, ça a été la dernière vue que j'ai eue de la scène. Sur toute la Plaza Mayor, les croyants ont commencé à donner leur témoignage et à partager Jésus. Alors au lieu d'avoir un prédicateur, ils en avaient maintenant plein qui prêchaient en plein centre de Madrid. Les soldats, tellement émus, ont ramassé la croix. Ils se sont mis au garde-à-vous devant la croix sur la Plaza Mayor. Puis ils étaient sur le point de me laisser partir, mais ils voulaient arrêter les prédicateurs. Et je dis non, nous serons tous libres. Nous avons tous été arrêtés ensemble, nous serons tous libres, tous ou personne. Et finalement, ils ont dit, ok, nous libérons tout le monde, on doit en finir avec ça. Les gens dans les églises priaient et pleuraient parce qu'ils savaient que leur pasteur pouvait être emprisonné pour des mois ou pour des années à cause de cette émeute. Et nous voilà tous relâchés et libres à minuit. Quelle explosion! On avait les oreilles qui sifflaient, c'était comme un miracle. Tous les 30 prédicateurs et la croix, tous sortis de prison. Aujourd'hui, on regarde ça comme un des moments historiques majeurs de l'Espagne. Les gens, ce jour-là, sur la Plaza Mayor, ont encore été frappés, mais depuis, plus jamais. Il y a maintenant des témoins, des églises, des prédicateurs, la liberté de religion, et l'Espagne est belle. C'est l'une des plus grandes choses que j'ai vu Dieu faire de par le monde. Beaucoup de gens ont une vision et rêvent de faire de grandes choses pour Dieu et de toucher le monde. C'était aussi ma prière. Et puis, Jésus a dit « Abandonne tout et que ta vision ne soit pas plus grande que la prochaine personne que tu rencontreras. » Et en suivant cela, j'ai été mené à travers le monde. I boast not of works or tell of good deeds, for not have I done to merit His grace. Oh, glory. Jamais Dieu ne te demandera quelque chose de plus important que la prochaine chose qu'il te demandera. Juste la prochaine chose. Et donc, il s'agit de vivre ta vie dans l'obéissance et sans te plaindre, en la prenant un pas à la fois. Ma femme et même mes enfants ont souvent dit « Arthur ne peut jamais être vaincu parce que peu importe ce qui se passe, il pense que Dieu y est et que c'est la façon de faire de Dieu. Il recherche l'opportunité en or dans toutes les situations. » Peut-être qu'Arthur a en effet appris le secret d'une vie vraiment dynamique. Mais s'il y a une chose qu'il n'a jamais eu à faire pendant plus de 40 ans, c'est se battre avec 140 heures d'images et d'interviews pour en faire un film de 90 minutes. Plus nous avons écouté, plus nous avons réalisé que ce qui nous intéressait le plus, c'était ce que la croix a produit sur Arthur. Nous étions plus intéressés par ça que par ce que Arthur a fait avec la croix.
Vous savez, c'était comme si les histoires n'avaient plus d'importance. Et pour Arthur, c'était toute sa vie. Parce qu'on commençait enfin à comprendre. Je sais que les gens sont fascinés par les histoires, mais je ne suis pas une histoire ambulante. Ce qui me fait avancer, c'est ma relation avec Jésus. Et ma relation avec les gens, avec chaque personne, l'une après l'autre. Je ne marchais pas pour essayer de trouver une guerre à traverser. Pourquoi est-ce que j'ai traversé le Darien? Parce qu'il y avait des gens là-bas. Personne ne m'arrête sur la route pour dire « Parle-moi des escadrons de feu, raconte-moi une histoire à sensation. » Partout dans le monde, vous savez quelle est la question la plus courante? Dis-moi, que connais-tu de Dieu? L'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Inde, le Moyen-Orient, que connais-tu de Dieu? Et quelquefois, je pense que de se concentrer sur les histoires, je pense que c'est... c'est enfantin. Parce que le vrai message, c'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le seigneur Dieu Tout-Puissant qui a créé l'univers, qui a placé les peuples, qui nous a créés pour une destinée, pour une raison. Et cela aide les gens à trouver leur destinée, à trouver le vrai sens de leur vie. Bonjour, Dieu vous bénisse. Jésus vous aime. Vous parlez anglais? Oui. Oui. C'est pour cela que nous portons la croix. Dans le monde entier, pour que les gens sachent que Dieu nous aime. Tu sais que Dieu t'aime? Être capable d'avoir porté la croix. Et d'avoir vu la façon dont Dieu a ouvert un chemin. L'identité que les gens ont ressentie avec le symbole de l'amour de Dieu. Et dites simplement, cher Jésus, viens dans mon cœur. Donne-moi une nouvelle vie. Pardonne mes péchés. Je veux suivre Jésus. Je t'aime, Seigneur. La seule raison à ça, c'est aimer Dieu et aimer les autres, parce que la façon dont on traite la personne la plus pauvre, la personne la plus ignoble, la personne avec la pire attitude, la personne la plus violente ou la plus dérangée sur Terre, correspond à la façon dont on traite Jésus. Je sais que vous avez traversé des temps difficiles, n'est-ce pas? Mais il vous aime, il vous aime. Vous savez, de toutes les personnes sur la surface de la Terre, je suis certainement le moins qualifié. Je n'ai jamais joué à aucun sport de ma vie. J'ai grandi dans une ferme. Je n'ai jamais eu de diplôme universitaire parce que j'ai échoué en langue étrangère. Si vous cherchiez quelqu'un d'incapable, regardez-moi là, sur ce lit d'hôpital, avec une rupture d'anévrisme, 2 semaines avant de commencer à traverser l'Amérique. J'ai commencé il y a 40 ans et j'ai porté la croix à travers le monde et je suis revenu. Et si mon retour était juste pour toi, Michel, ça valait la peine d'être choisi pour porter la croix. C'est indescriptible. Je n'en suis pas digne, c'est sûr. Mais mon indignité ne me disqualifie pas de l'appel de Dieu. Et très souvent, ce que je ressens, c'est le poids auquel la croix correspond à l'intérieur de moi, qui est plus lourd que le bois que je porte. Parce que je ressens
les blessures, les souffrances, les peurs, l'amertume, la solitude. Mais la croix, c'est la bonne nouvelle. Très souvent, le long de la route, quand les choses allaient mal, et que parfois mon corps me faisait mal, et mon cœur était brisé, j'ai fait un pas de plus, en disant juste, Seigneur, je serai ton ânon. Je veux t'élever afin que les gens te voient, qu'ils te connaissent, qu'ils t'aiment, qu'ils sachent que tu penses à eux. Et qu'ils te suivent. Merci de m'avoir donné ce privilège. Et c'est ce que je pense vraiment être. J'étais un ânon qui a élevé Jésus. Et s'il y a une gloire, qu'elle soit rendue à Dieu, pas à moi. Jamais je n'avais vraiment rêvé de vivre jusqu'à l'accomplissement de ce voyage. Je me disais que j'allais être rayé de la carte par un gros camion quelque part, ou par une explosion. Et quand j'ai fait ce dernier pas, ce dernier pas au Zanzibar. Que dire? Réaliser, même aujourd'hui en étant ici, assis, à en parler, que ce sont des millions de miracles. C'est la chose qui rend le plus humble quand on vous identifie à Jésus. C'était tout pour toi, Jésus, je t'aime. Merci de m'avoir appelé. Merci pour ta miséricorde de m'avoir laissé vivre et terminer ce voyage. Et de m'avoir laissé vivre pour raconter cette histoire. Tu fais les destinées. Tu as placé tes anges autour de moi, le sang de Jésus sur moi, et tu nous as amenés jusque-là. Sois glorifié. Juste glorifié. I have deferred a few moments of my time to a brother who was not scheduled to speak to you this afternoon. But many of us have felt that God would have him come and just give a brief word of greeting unto you. He has walked all the way around the world with this cross that you see behind me. Would you welcome our brother, your brother and mine, Arthur Fletcher. Praise the Lord. To a great and mighty and glorious Jesus cheer that they'll hear all over Washington. Are you ready? Give me a J. E. J. C'est tout ce que je peux te dire, Matt. C'est ça, toute l'histoire.
Rien ne peut remplacer le conflit parce qu'il arrondit les angles. Ça t'amène direct aux choses sérieuses. Beaucoup de gens essayent de le fuir. En fait, tu t'attendrais à quoi au pôle Nord? Tu t'attendrais à quoi en Antarctique à part la neige? On ne peut pas la combattre. Tu es à l'aéroport. L'avion ne part pas. Et il n'y a qu'un vol par jour. Tu es là, avec des toilettes qui puent et peut-être 50 autres personnes. Il n'y a pas de restaurant où manger. Tu dois dormir par terre. Tu peux te mettre en colère. Tu peux être frustré. Tu peux hurler. Tu peux prier. Tu peux brailler. Tu peux te complaire dans ta misère. Ou tu peux dire, merci Jésus. Nous avons 24 heures. Quelqu'un a un besoin. Tu vois, quand tu crois à la destinée que Dieu a pour toi, quelle que soit la difficulté qui survienne, il y a une opportunité. Ma voiture tombe en panne et tout de suite je pense, qui est mécanicien par ici? Seigneur, amène-moi le pire. Envoie la personne qui a le plus besoin. Et quand ce mécanicien arrive, je suis prêt. On devient des potes, il se retrouve à genoux. Allez, et appréciez les circonstances que Dieu vous donne. Just say one step, walk into